Donc voilà, quand il y a beaucoup de volume, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre justement l'outil en trois rangées, ce qui permet d'avoir encore plus de dégagement pour bien gérer le flux de matière. Donc là, on a fait un réglage spécifiquement pour le Rumex. Ça veut dire qu'on va chercher à 10, on va chercher en fait le pivot et on va le remettre en surface pour le faire sécher.